Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve après 6 mois d'absence pour une nouvelle vidéo, ça sera encore un nouveau vlog. Donc du coup je vais aller à la Japan Expo. Donc du coup pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la Japan Expo, je vais mettre une petite fiche sur l'image. Donc voilà, et cette fois-ci, bah, moi ça va faire la deuxième fois que je vais y aller. C'est pour ça que cette année pour la Japan Expo j'ai décidé de me déguiser. Après la Japan Expo c'est plus un salon pour la culture pop. Non, en vrai j'ai prévu un autre déguisement mais... je trouvais que celui-là était plutôt sympathique. Cette année, je vais être déguisé en ce personnage. Arriverez-vous à le reconnaître? Et on se retrouve devant la Japan Expo. Nous y voilà, au Japan Expo.
semaines après la Japan Touch, malheureusement j'ai pas pu filmer quand on est parti. Donc du coup, bah, je vous fais la conclusion de cette vidéo tout de suite. Donc ce qui s'est passé dans la Japan Expo, donc on a visité pas mal de fois les rayons de la Japan Expo. Et on a aussi fait du troll ball. J'espère que je vais pouvoir avoir des images pour vous montrer ce que c'est. Magnifique point, on peut le rappeler. Là, franchement, il était... 3, 2, 1, go. Engagement, la tête s'envole. Les équipes avancent, trottinent, récupération des Phoenix. Le légionnaire phénicien. Oh, première élimination, galopard. Deuxième élimination, galopard. Alors le ballon était avantage. Oh là 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 là, il est avant. Pas deux. Oh là là, Donc du coup on est rentré de la Japan Expo, donc c'était plutôt sympa, c'est un univers assez sympathique la Japan Expo, donc du coup on a vu pas mal de gens, on avait des gens déguisés, et quand on est parti on a croisé un gars qui a pas arrêté de nous parler, sur tout le trajet, donc ouais, donc voilà, mais arrête de rigoler toi. Et pendant cette Japan Expo je me suis aussi fait un petit plaisir. Je me suis acheté le sabre de Roronoa Zoro. Voilà. Le Shisui de Roronoa Zoro. Donc c'était assez sympathique et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous laisse sur l'image de la fin. A plus!